Nous sommes en train de prendre notre retard pour être présent sans retard. Nous avons pris trop de retard pour être présent à présent. Nous pensons qu'il est trop tard pour être présent à présent. Nous pourrions être présent à présent s'il n'était pas si tard. Nous pourrions être présent à présent même dans notre retard. Nous ne savons plus comment être présent à présent dans notre retard. Nous sommes tellement en retard à présent, nous pourrions refuser d'être présent à présent, mais il est déjà trop tard pour être présent à présent. Nous devrions rester à présent maintenant que nous sommes présents, même si nous sommes en présent, à retard. Nous ne savons rien de ce qui pourrait advenir, nous ne sommes que des présents sans retard, sans avenir. Nous ne sommes que des années mortes, puisque nous sommes sans avenir. Est-ce que nous pourrions prendre le temps du retard pour qu'elle passe plus vite? Nous faisons quoi de ce temps perdu à être en retard en attendant qu'elle passe sans avenir? Que pourrions-nous faire pour qu'elle passe plus vite ce temps perdu à être en retard maintenant qu'elle passe sans avenir? Que pourrions-nous commencer par faire pour que ce temps perdu à attendre que cette année meure sans avenir passe plus vite? Quoi que nous pensons à présent que le temps passé à attendre que cette année sans avenir meure ne doit pas passer trop vite. Nous pensons à présent que le plus tard est le mieux. Nous pensons à présent qu'il vaut mieux qu'il passe moins vite. Nous pensons à présent que ce n'est pas grave si nous sommes en retard. Nous pensons à présent qu'il vaut mieux être présent en retard que jamais. Nous pensons qu'il est trop tard pour que nous ne soyons jamais présents. Nous pensons à présent que le mieux pour n'être jamais soit le plus tard possible. Nous pensons même à présent que si c'était possible, ne jamais advenir. Nous pensons à présent advenir le plus tard que nous puissions advenir. À présent, nous pensons même presque ne jamais advenir si c'était possible. Nous pensons à présent que nous n'aurions pas dû commencer par poser la question du comment pourrions-nous faire pour que le temps perdu à attendre que cette année meure passe plus vite. Nous pensons à présent que même si nous sommes en retard, nous serons présents dans ce temps perdu à attendre que nos années sans avenir meurent. Nous pensons à présent que nous pourrions nous perdre dans ce temps qui attend que les années sans avenir meurent, alors il est souhaitable que ce soit le plus tard possible. Autrement dit, nous souhaitons à présent ne jamais advenir, ou plutôt nous souhaitons qu'il soit possible de changer l'heure de notre devenir. Nous souhaitons la retarder. Nous souhaitons augmenter les heures de ce temps perdu, attendre que les années sans avenir passent. Nous pourrions commencer par poser la question du temps perdu qui passe, attendre que les années sans avenir meurent avec lenteur pour que le temps à poser la question passe moins vite. Nous pourrions commencer comme ça, nous pourrions commencer. Comme ça, par répéter, nous pourrions commencer par répéter comme ça, par commencer par répéter comme ça. Autre possibilité, nous pourrions commencer au plus près de la ligne de départ. Nous pourrions commencer au tout début. Nous pourrions commencer au tout début. Nous pourrions commencer par là, ici, par ici, par là. Là, ici. Nous pourrions commencer par ici. Nous pourrions commencer au début d'un début. Nous pourrions commencer au début d'un préliminaire, au début d'un prélude, d'un préambule, d'un prologue, au début d'un avant-propos, au début d'une préface, au début d'une introduction. Nous pourrions commencer au début d'un démarrage, au début d'un décollage, au début d'une partance. Nous pourrions commencer par démarrer avec lenteur, par décoller avec prudence, partir avec lourdeur, par entreprendre avec paresse, ou entamer avec gravité, par avancer avec hésitation, par attaquer avec délai. Nous pourrions commencer par crier au ralenti. Nous pourrions commencer par crier au ralenti en bégayant, pour éviter la peur de nous ennuyer. Nous pourrions commencer par utiliser ce temps perdu à temps que les années sans avenir passent pour questionner la peur de notre ennui. Nous pourrions commencer par la peur de l'idée qu'il faudrait cesser de s'ennuyer. Nous pourrions avoir peur non seulement de commencer à prendre le temps de poser la question de notre ennui, mais aussi peur de devoir prendre du temps pour pouvoir y répondre. Nous pensons à présent que nous perdrions un temps précieux. Nous pensons à présent que nous avons perdu la précieuse du temps. Nous pensons à présent que nous n'avons plus les moyens de perdre du temps. Nous pensons à présent que le temps est si précieux que nous avons passé trop de temps ensemble à le gaspiller. Nous pensons à présent que vous avez perdu votre temps. Nous pensons à présent que nous avons perdu notre temps.
Nous pensons à présent qu'il est temps de se séparer. Nous pensons à présent d'avoir rien commencé, ensemble, rien construit, rien bâti, rien échafaudé, rien épais, édifié, érigé, rien fondé, rien créé. Nous pensons à présent d'avoir que partagé du temps. Nous pensons à présent